Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de vendredi, jour de Vénus, bien évidemment, de l'amour toujours. Comme d'habitude, on essaye d'être un petit peu romantique si c'est possible. Alors merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Et merci pour tout ce que vous faites pour ma chaîne, c'est vraiment gratifiant. Et pour la chaîne Chris Sinclair Show, voilà, je commence petit à petit à me mettre dans le bain par rapport à ces deux rendez-vous hebdomadaires qui sont le lundi et le jeudi à 18h. Donc, nous allons faire une vidéo concernant les suffragettes. Plus je vous donnerai des infos parce que j'ai eu des infos, donc je vais vous les donner bien sûr. Comme d'habitude, alors, je vous présente un autre livre, tout simplement aux éditions Bussière. Alors ça, c'est peut-être plus pour les gens qui sont dans la connaissance déjà, vous voyez, c'est pas pour quelqu'un qui commence dans le domaine. Donc la magie sacrée ou le livre d'Abrameline le mage de Robert Ambelin, hein, bien évidemment. Donc c'est un ouvrage qui est pour les gens érudits, oui, dans le domaine occulte, hein. Voilà, d'accord, donc c'est aux éditions Bussière. Et je dois dire, donc je vous montre, il coûtait 22€ à l'époque, que vous trouverez, vous pouvez le commander, etc. Édition Bussière, ils ont été longtemps les éditions Bussière, des éditions qui étaient, enfin dont le sens commun était l'ésotérisme, voilà. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous dire plusieurs choses. Pour vous les amis, donc j'avais raison concernant la 100% concernant les bouquins. D'après un ami très proche qui m'a passé un petit coup de fil avant-hier, il m'a dit clairement que toutes les boutiques, grandes surfaces et autres, réduisaient considérablement leurs achats vis-à-vis ce domaine de littérature, d'accord? Cette littérature, bien évidemment, qui dérange. Donc, voyez-vous, j'avais pas tort sur le sujet. Deuxièmement, j'ai été surprise, mais choquée, j'ai vu sur anciennement l'oiseau bleu, vous voyez ce que je veux dire, une vidéo qui circule, c'est une vidéo qui circule beaucoup au Royaume-Uni, bien évidemment, avec nos amis Grands-Bretons, où l'on voit un touriste, bien évidemment, avec une serpillière sur la figure, rentrer dans un train avec un pic-pic qui fait bien la longueur du bras, voyez-vous ce que je veux dire, un truc de boucher, hein, bien sûr, et s'en prendre à une personne, et on le voit, je vous le signale, parce que ça va arriver chez nous, je dois vous le dire, je vous en ai beaucoup parlé, donc voilà, il n'y a personne, tout le monde avait la trouille tout autour, voyez-vous, personne n'a pu l'arrêter. Bon, il y a une victime, c'est une certitude, et le gars, à plusieurs reprises, il a mis le pic-pic dans la personne, d'accord? Mais c'est juste, quand on le voit en face, en réalité, si vous voulez, c'est choquant. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des suffragettes? Alors, ils ont décidé, il y a une espèce d'engin au niveau du Parlement. Ils ont décidé de proposer une loi par laquelle le suffrage dit universel serait arrêté, d'accord? Ça veut dire que nous n'aurions plus aucun droit, plus aucun choix de décider pour nous, mais que la fripouille, d'accord, au palais, serait élue par un conseil de clampins dit de sages. Vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se passer tout azimut là? C'est quand même relativement grave. D'autre part, autre info que j'ai peut-être, alors, qui est réjouissante, effectivement, si j'avais raison, il y a des millipointaires qui apparemment se réunissent en secret
Voilà, d'accord. Apparemment, tout le monde en a ras-le-bol de ce schtroumpf qui sent pas bon. D'autre part, on apprend aussi qu'avec le cabriel, ben écoutez, plus rien ne va entre lui et Bricaton. Ben, stupide Claude, il s'est tapé le séjour qui n'a plus de néné. Plus rien ne va. Et clairement, aujourd'hui, la première sinistrose est en train de reconnaître que l'autre, enfin le Bricaton, est un frappadingue. Enfin, il est temps, mais apparemment ça se castagne tout azimut. Alors nous allons voir par rapport à cette loi qu'ils veulent mettre en place concernant ben, supprimer le suffrage dit universel, d'accord? Parce que c'est ça qui nous intéresse au niveau de l'Assemblée dite nationale. Alors j'espère que vous allez bien, les amis. Hein, on continue du côté des Schtroumpfs. Heureusement que je suis dans mon village, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ouh, et au plus je vois ça, au plus je suis contente d'être chez moi. Et au plus je suis contente d'être avec mon chien et mon mari. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop. Donc, allons-y gaiement. Puis j'aurai peut-être d'autres nouvelles à vous dire, mais j'attends d'avoir des certitudes. Vous voyez, je n'aime pas trop raconter des carabistouilles. Alors, je suis contente, j'ai eu des nouvelles de ma petite Anne. Aujourd'hui, Anne que est là. Et elle se remet bien là. Elle reprend le dessus. Un caractère de crotte de bique comme moi, vous savez, comme on les aime. Ah, j'adore, je kiffe, je kiffe. Voilà. Hop. Donc. Allons-y gaiement. Donc aussi, j'ai eu Athénos. Donc Athénos, il est très content par rapport à vos réactions, vous savez, par rapport au stage exceptionnel qu'il va donner en Bretagne sur les désenvoûtements. Parce que c'est aussi important de savoir comment ça se passe et comment on le fait. D'accord? Voilà. Enfin, je vous le dis, hein, c'est le 15 juin, c'est le samedi 15 juin. Je vous ai mis de toute façon dans la communauté le lien. Je ne sais pas s'il reste encore des places ou non, mais enfin, lui, chaque fois qu'il se déplace, il a une école de magie à Athénos aussi. Hein, pour y aller de ma part. D'accord? Il a une école de magie où vous appelez au-delà des mondes. Vous lui demandez comment ça se passe, c'est pareil. Il va vous dire les choses. Voilà, c'est une école de sorciers. Alors lui, il est pour la tradition, les choses ancestrales, voyez-vous. Voilà, je vous le dis quand même. Hein. Il aime bien. Enfin, c'est juste, ça fait partie des gens précieux, voyez-vous, qu'on aime bien avoir. Voilà. Ça fait partie aussi des spécialistes. Voilà. Allons-y gaiement. Excusez-moi parce qu'en même temps, je commence à avoir des flashs par rapport à cette histoire. Donc, on va voir. De toute façon, c'est l'année où ils vous annoncent plein de choses. Comme je vous l'ai dit, certaines qui se mettront en place pour nous bananer. Attendez, je me rapproche de vous, les amis. Alors, fin de cycle par rapport. Bon, oh là là. Bon, d'entrée jeu. Vous savez, c'est ce que je dis chaque fois avec ce jeu. Je prends le Pollution chaque fois. Pourquoi je prends ce Pollution? Attendez, je vais vous montrer quelque chose, les amis. Si vous me permettez, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, ben écoutez, je vous le montre s'il est là. Parce que vous êtes nombreux à me poser la question, le Pollution. J'en ai un deuxième, voyez-vous, Dame Fortune Swill Tarot. Il est en anglais, hein, je vous l'accorde. Mais après, voilà, il a été fait par Paul Hewson, bien évidemment. Vous trouverez sur des sites marchands. Voilà, vous le commandez si vous voulez. Excusez-moi, mais comme ça me donne l'occasion de vous le montrer. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, comme une fin de cycle. Avec les ennemis qui ont la tête à l'envers, vous voyez qui je veux dire, hein, toujours les mêmes branquignoles, inaction, changement radical, et quoi? Oula! Bon, les amis, écoutez-moi bien, là ça sort tout de suite, donc déjà la loi, ils vont pouvoir se la mettre dans le popotin où je me pense, où vous voulez,
Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, c'est. J'allais. Non, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, les amis, tout simplement. Mais là, d'entrée de jeu, je peux vous annoncer qu'il y a une rupture totale avec eux, là. Là, c'est maintenant, d'accord? Les gens n'en peuvent plus de ces bandes. Ouais, le CHUMDU, j'avais raison, ils veulent le supprimer alors que tout marchait bien de ce côté-là. D'accord? C'est comme les retraites dans le privé, tout marchait bien, ben, ils vont foutre le caca. Ça change pas, hein, de toute façon. Donc, il y aura un changement radical, c'est une évidence. Là, les gens n'en peuvent plus. Alors là, les gens, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font chihuahua. Donc, par la force, là, j'ai bien par la force sur la populace, il y a un projet qui vient du monde du bidon et à l'international, d'accord, où ils veulent faire de notre beau pays un état du monde du bidon et où on fasse exactement, en fait, ce qu'ils veulent mettre au pays des franchouillards, c'est un gouverneur, mais qui soit sous la botte du monde du bidon. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, vous savez, des fois, on a. Alors, ça peut être des flashs, ça peut être des sensations et compagnie. Et là, j'ai la forte sensation que. Parce que Poupou a dit clairement qu'il n'en voulait pas aux franchouillards. Il en veut à ceux qui sont à la tête. Alors, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Si vous avez envie de le taper, vous voyez ce que je veux dire, lampa.les, où vous voulez, ne vous gênez pas. Voyez-vous ce que je veux dire? On serait content. Wouh là là. Alors ici, c'est la bande dite de Sgeg. Vous voyez le monde des lobes.bi qui sont à la manœuvre au niveau du parlequiment, d'accord? Vous voyez bien, il y a des sous-sous qui circulent là-bas. Et au niveau de la marionnette bien franchouillarde et pas chinoise, je dirais le Gab, ça touche aussi du pognon. Bien évidemment, je vous rappelle que beaucoup d'effets d'annonce parce qu'il y a des élèques au mois de juin et je vous rappelle qu'ils ont la trouille. Alors moi, quand ils ont la trouille, eh ben j'y vais, je fonce, d'accord? En plus, on ira boire l'apéro après, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis ça. Et il y a bien les lobes.bi qui sont à l'arrière, il y a le 4 qui n'a plus de tas. Vous avez vu que les frères de la magouille sont bien infiltrés au niveau de la peste aux étoiles maintenant, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a le secours catholique, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Ben maintenant, on a le secours, oui, vous l'avez I, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Eh oui, j'ai vu ça, je suis tombée sur une vidéo sur le sujet, mais ah non, c'est pas possible. Donc, projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est nous par rapport aux enfants. On vous dit, les amis, faites gaffe à vos gamins, faites gaffe aux écoles. Vous avez bien vu tout ce qui se passe, j'ai pas arrêté de vous alerter sur les écoles, exactement ce qui se passe. D'accord, il y a bien quelque chose. Ils veulent mettre en l'air tout notre système. Je parle les frères qui de la magouille qui viennent du sud. D'accord? Ils ont un projet qui va s'adresser au niveau des écoles. Vous pouvez pas me dire que je ne l'ai pas dit, ça fait 2 ans que je répète la même chose. D'accord, mes amis? Voilà. Donc ça, ils ont bien l'intention. Donc déjà, la loi pour le suffrage dit universel, voyez-vous, ça m'étonnerait qu'ils puissent le mettre en place pour une. Enfin, ils en rêvent, hein, bien évidemment. Et parce qu'ils savent que tout est en train d'exploser, que les gens n'en veulent plus, donc ils essaient de créer d'autres choses. C'est ce qu'on appelle la gauche au bobo, hein, voilà, qui veulent s'implanter. Par contre, j'ai vu un bonhomme, un présentateur de la boîte à caca, d'accord? J'ai bien vu qui était sur la une. On peut pas dire son nom, non, on peut pas dire son nom en même temps. Enfin, on va le dire comme ça, le quotidien. Voilà, on va parler quotidien. Et qui prend, alors lui, ça se voyait quand il est passé devant les Sénats, pas les Sénats, les DD, PPTT, si vous voulez, où il devait s'expliquer par rapport à ses programmes. On a bien vu qu'il n'était pas sobre, hein, on a bien vu qu'il prenait des lignes de coco. Alors au visage, ça se voit, hein, inaction. Bon, ils vont tenter, mais il y aura un triomphe de la populace à l'arrivée. Ah ben là, ça va vous faire plaisir, parce que là, j'ai un triomphe de la populace à l'arrivée, mais il y a des choses qui se mettent en place.
Il y a plein de gens qui veulent se débarrasser de la chose qu'on a à la tête, la poupée qui n'est pas gonflable, mais qui nous gonfle. D'accord, les amis, je vous le dis sincèrement, et il y a plein de gens qui veulent s'en débarrasser maintenant parce qu'ils sentent que ça va trop loin. J'ai vu Nicolas Le Nain dans une vidéo aussi parallèlement vis-à-vis de Luc qui n'a plus de roi, qui a une reine donc, de commencer aussi à prendre du recul sincèrement et d'arrêter leurs bêtises. J'entends dire par-ci, par-là, que concernant le bricaton, il essaie également de reprendre contact avec Poupou, d'accord, mais je n'ai pas encore les preuves. Moi, il me faut des preuves bien affirmées, alors là, ça serait un sacré coup. De toute façon, c'est une empoinflure. Et vous avez vu concernant le Merco qui n'est plus sûr, voyez-vous. Ah, mais il faut revoir notre copie, voyez-vous. Allez, allez, tais-toi. Franchement, franchement, tais-toi. Alors, rapport de force, d'accord. Ils vont tenter. Alors, je vais vous le dire. Oui, parce qu'apparemment, ils veulent déjà s'en prendre aux grosses entreprises dans notre beau pays, si vous voulez, pour leur rafler les trucs. Donc, le maître qui n'a plus d'âge, je vous avais prévenu, non, je crois, il y a longtemps, de faire gaffe que ça allait vous retomber sur la pomme, mais ça vous retombe sur la poire. Alors, pas prise de décision, ils se posent la question comment ils vont faire par les rapports de force, mais ça ne marchera pas. Ils vont tenter d'imposer plein de choses, alors vous allez voir des effets d'annonce, etc., mais je vous avais dit que ça serait au niveau régional, c'est exactement ça. Il va l'imposer au niveau régional ici, si vous voulez, de prendre des décisions vis-à-vis de la populace, d'accord? Mais ça ne marchera pas parce que je vois, bon, il y a déjà des maires qui sont. Il paraît que, ah oui, les amis, j'ai oublié de vous dire, il paraît que notre briquette, elle était là. Oui, on me l'a dit ce mat hier matin, mais je dis, je m'en fous, voyez-vous, voilà. Donc, ils vont tenter de nous imposer des choses tout azimut par la force, mais encore une fois, ils se tirent une pampan dans le pied. D'accord? Donc, ils n'y arrivent pas. Pour ça que moi, je m'affole pas. La seule chose, je vous l'avoue sincèrement, où ça m'affole véritablement, les amis, c'est par rapport au commu point noté. Et je peux vous annoncer que clairement ce que j'ai vu, la vidéo que j'ai vue en Grande-Bretagne dans ce train, ça va là, hein. C'est chez nous aussi. Et c'est pour ça qu'il faut être excessivement prudent. Là où ça m'a un petit peu angoissée, c'est que dans le train, personne n'osait bouger. Vous voyez, il y en a un qui a pris la caméra, enfin son téléphone, pour enregistrer. Bon. D'accord. Et là. Bon, ça ne marchera pas. L'autre frappadingue, d'accord, le brigaton donc, va revenir à la charge dans une communication transcendantale, bien évidemment, et nous imposer les choses. Alors là, ça me dit d'un coup, alors je vous donne le mot. L'Éric le boulet pathétique finira au Newf. Ça vous parle? Parce que là, ça vient d'arriver. Apparemment, il a beaucoup d'haine point mis, et notamment un monsieur que j'ai vu à la télévision où ils sont à couteau tiré. Et à mon avis, l'Éric le boulet pathétique, il a intérêt de se refaire un lifting du popotin parce que ça va sentir mauvais. Ouais, ça va, j'ai compris. Et là, ça me dit que l'autre, il va refaire une communication, mais ça ne marchera pas. L'autre pomme, hein, il va arriver. Dans un palais intérim, comment dire, intemporel ou n'importe quoi, voyez, pour nous être. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, au niveau de la populace, au niveau du pognon, qu'est-ce qu'ils vont nous dire là? Ils vont prendre une décision, d'accord, de faire des coups de rabot. Il va y avoir des coups de rabot au niveau social, mais ça, je vous l'avais déjà annoncé. Et quelque part, moi, ça me dérange pas parce que, excusez-moi les amis, mais à voir ce que, enfin, tous les gens qui payent des impôts et ben, on en a un petit peu ras-le-bol d'en payer énormément, d'accord? Alors, je parle pas des retraités ou des quoi que ce soit, d'accord? Des amis handicapés ou autres, c'est dans un autre domaine, ben, qu'ils arrêtent de donner aux touristes et puis ça ira beaucoup mieux, comme je l'ai dit hier, d'accord? Voilà, c'est là. Le fou n'arrivera à rien dans son projet machiavélique
pour donner au roc qui n'a plus de shield, d'accord? Enfin, le projet du Frappanin n'arrivera pas. C'est-à-dire que concernant nous empêcher d'être au suffrage dit universel, ils vont vouloir le faire avec le mode qui n'a plus d'âme. Ils ont plus de problèmes de prospointate, d'accord? Voilà, c'est là leur problème véritablement. Avec le bail qui n'a plus de roues, donc automatiquement ils essaient d'inventer les choses pour se sauver eux-mêmes parce qu'ils savent aujourd'hui que les gens ne sont pas bêtes. Donc leur histoire de suffrage, voyez-vous, ils peuvent se le carrer où je me pense. La peste aux étoiles, notre pire ennemi, hein. Bon, là je peux vous annoncer qu'il y a une colère immense contre la peste aux étoiles d'une façon où ils sont infiltrés, hein, on le sait, ils sont infiltrés par le 4 qui n'a plus de tact, qui veut nous imposer une façon de vivre qui n'est pas la nôtre, de toute façon, où il n'y aura pas de communication, il y aura du pognon. Donc je peux vous annoncer actuellement, bon, il y a une colère en cours, hein, au niveau de toute la peste aux étoiles. Mais si je peux vous annoncer qu'il y a vraiment de l'argent du 4 qui n'a plus de tact qui circulait là, je mets ma main à couper que c'est sûr. Ce que je vous annonce est sûr, qu'ils payent l'Ursulette, ils payent la Christine et compagnie, si vous voulez, la gardienne du temple satanique, mais les autres, hein, d'accord, pour faire ce que eux ils veulent, c'est-à-dire de remplacer les franchouillards. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? De l'argent qui circule, ben c'est ce que je viens de vous annoncer, d'accord? Donc c'est le 4 qui n'a plus tard, de tard, pardon. Ils ont des associations, de l'argent qui circule, et ben je peux vous l'annoncer, c'est là où se trouve le BINS. Je vous encouragerai les amis à demander à vos DD PPTT, qu'ils soient ici au niveau de la peste aux étoiles. Vous devriez aller les voir et demander des comptes, d'accord? Parce que là, c'est un trap ou un fic immense. C'est là le problème, hein? C'est là le problème. Les escrocs.querie, il y a des accords en sous-main, des choses qui ne communiquent pas, voilà, pour nous mettre à mal. Donc, pour moi, il y a enfin, une tentative de renversement de tout ce que l'on est et compagnie au niveau de la peste aux étoiles. Et c'est bien là mais je pense que vous êtes loin d'être bêtes, les amis. Au contraire, vous êtes bon, de toute façon, si vous êtes sur la communauté, vous êtes parfait. Donc, vous avez compris que le problème était là. Et là, nous avons les s.croque.ri. D'accord? Voilà, donc de l'argent qui circule sans crier gare et compagnie dans des associations machiavéliques, c'est-à-dire de renverser notre beau pays et de nous mettre à mal grâce à ces gauchos bobos. D'accord? Voilà. Sur ce, après Bricaton veut quelque chose de martial au niveau de la populace. D'accord? Oh là 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 là. Nous avons ici quatre cartes majeures concernant le Bricaton dans sa folie. Donc, pour moi, il va arriver à un moment donné, il va se prendre pour Néron, Napoléon, Louis XIV, voyez-vous, tous ces trucs-là, en même temps, ça va vassoler dans sa tête, il va arriver en nous imposant les choses d'une façon martiale pour le côté sacré de la France, mais la populace ne suivra pas du tout. Et je remercie d'avance les régions ou les petites mairies qui feront l'inverse de ce que veut Bricaton dans sa folie furieuse. Par contre, je reviens sur quelque chose de très important. Faites attention aux écoles. Faites attention si vous vous déplacez. Voyez-vous, soyez toujours entourés. Ne restez pas seul dans un coin. Pour moi, il y a les touristes qui vont, ça va y aller tout azimut, hein, d'accord? Donc, pour l'instant, ce que fait le Dharma Lelouch, c'est du blabla, hein, c'est du vent, tout simplement parce qu'ils savent qu'est-ce qui va se passer au mois de juin, qu'ils vont tous se ramasser des pâtés. Pour retourner à l'équilibre. Voilà, ben écoutez, pour moi, si vous voulez, alors je ne vous le dis pas pour tout de suite, hein, pour retourner à l'équilibre, d'accord, il y aura une action, mais pas par la justice,
et pas par la peste aux étoiles ou les gens qui sont au-dessus, d'accord? Il y aura une autre action qui va se mettre en place par la force pour se débarrasser de ces gens qui nous veulent du mal. D'accord? Je suis claire sur le sujet? Voilà. Mais aussi au niveau... Si, vous savez, les dédés pupputétés, ils font aux toilettes comme tout le monde. Vous comprenez? Donc, vous pouvez très bien aller les voir à titre personnel si vous voulez, prendre rendez-vous et leur demander des explications. S'ils ne vous reçoivent pas, ben c'est qu'il y a des raisons. Ça veut dire que clairement, ils ne veulent pas s'expliquer. Donc, ben écoutez, voilà. De toute façon, ça va aller. Voilà. À labayo.net. Concernant les gamins, il y a de l'argent qui circule pour reformater les écoles, d'accord, qui sont payées par le CAP qui n'a plus de tare au niveau de notre système écolier. Je ne pouvais pas dire, je ne vous ai pas dit hein, tout ça. Ici, qu'est-ce que blocage, rupture? Bon, voilà, écoutez, c'est ce que je vous avais annoncé. De toute façon, l'histoire, là, des suffragettes, enfin, c'est une façon de parler, vous avez bien compris, pour le suffrage dit universel, ben, ça fait des trucs, vous voyez, là, j'ai le blocage à venir, j'ai la rupture totale. Pour l'instant, il y a des choses qui se préparent au secret, voyez-vous, il n'y a pas de communication, mais il y a quelque chose pour se débarrasser de tous ces clampins. Tout le monde sait, alors c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux, à qui on a affaire, qui sont ces gens, et une bonne fois pour toutes, voilà, leur entrée dans l'art une bonne fois pour toutes. Voilà. Je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve bien sûr demain pour d'autres aventures si vous le voulez bien. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. Donc, concernant cette loi, ça n'ira pas loin, mais par contre, ça fait partie des délires les uns derrière les autres qui vont annoncer jusqu'au moment donné où ça va aller tellement loin que ça pourra plus. Gros bisous tendres, on se retrouve bien sûr demain matin pour d'autres aventures. Comme d'habitude, bye bye!